Salut tout le monde, ici Snektout de retour avec Castlevania, la symphonie de la Snoche. Alors, la dernière fois qu'on avait arrêté, on était dans les cavernes d'Alucard. Ah oui, j'avais oublié à quel point je détestais ces ennemis, mais ça va, ils sont encore assez faciles à tuer. Alors, en face, on n'avait pas encore visité. Ah, une pièce toute droite, tout ce qu'on aime. Voilà. On va garder Zawardo. Parce que je préfère Zawardo. Je veux dire, on peut quand même arrêter le temps avec ce truc. Bon, d'accord, ça n'affecte pas tous les boss. Mais quand ça affecte un boss, ça fait plaisir. Alors ici, petit secret à ne pas oublier. Un bandana avec deux N. Je sais pas si c'est une faute d'orthographe, mais j'ai l'impression que oui. Alors, le bandana qui nous fait baisser un peu l'intelligence, mais qui augmente notre défense physique, et on en a besoin. On en a besoin, et comment? Alors, on va continuer. Ah, j'avais oublié qu'on avait le double saut. Magnifique. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre. Non! Oh, le con! Au revoir. Au revoir, Zawardo. Merde! Alors, ouais, ici, on continue de descendre. C'est un peu sinueux, hein. La première partie des cavernes, c'est une map un peu sinueuse. Je ne vous le cache pas. Mais rien d'impossible, rien d'impossible. C'est juste deux endroits où ça tombe de manière parallèle. Alors, non, ici rien du tout. Ouais, on va continuer de descendre par là. Hein. Alors hop, t'es mouru, on prend l'argent, parce que comme vous vous en... Oh l'enfoiré! Flèche dans le dos! T'as pas d'honneur, squelette, vampire, mort-vivant, sans âme. Alors, heureusement, on peut toujours... non, on va garder l'eau bénite. On va garder l'eau bénite, sait-on jamais. Parce que je pense que pour le boss de cette zone, l'eau bénite, c'est très utile, en fait, en fin de compte. Alors, au niveau des cœurs, on est au max. Donc ça tombe très bien. On va quand même tuer tous les ennemis. Histoire de se faire un max d'XP. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ici encore moyen de remonter, mais on n'y va pas tout de suite. On n'y va pas tout de suite. Vous voyez à quel point on descend. On n'arrête pas de descendre. Alors là, on descend vraiment pour de bon. Donc, on va éviter pour l'instant. On va d'abord visiter tout ce compartiment, entre guillemets, tout cet étage. Alors, par là. On va remonter. Sinon, je crois qu'ici, la zone... Enfin... L'endroit n'est pas énorme. Non, l'eau bénite, je te dis. Hop. Oui, ça va juste faire une espèce de jointure avec à côté. Ouais. Et une vie plus. C'est pas négligeable du tout quand même. Cool, on est déjà à 142 HP, c'est énorme. Je crois que j'ai jamais été autant à l'avance. Mais bon, je prends vraiment du plaisir à vous faire découvrir ce jeu. Le reste se fait tout seul, mesdames, messieurs. On va remonter et on va remonter vite fait. Et on va visiter le bout de l'autre tour. Bon, ça va vite, hein, vous voyez. Comme on est overpowered. Ouh, 250$, magnifique. Faut se souvenir hein, d'où sont les endroits avec le plus d'argent. Parce qu'on peut le farmer tout simplement, une fois qu'on sort de la pièce. L'argent reste dans les mêmes endroits en fait, donc on peut les farmer très facilement. Après c'est une question de temps. Mais bon, s'il faut, je farmerai off-screen. Ça ne me dérange pas plus que ça. Alors, ouais, il faut qu'on remonte par là. Qu'on tue ces deux Zuluberlus. Voilà. Alors, en face c'est la salle de sauvegarde, donc pas besoin... Voilà, il faut essayer de les avoir un peu, parce qu'on peut pas les avoir vraiment de face. Faut soit sauter et leur faire une attaque sautée à ceux-là, soit les avoir en se baissant. Ah oui, oui, non. Donc c'est bien ce que je pensais ici aussi, ça va descendre tout droit. En face, on n'a pas vraiment encore l'occasion d'y aller. Et ici aussi, il y avait un trick. Bon, c'est pas grave, on va descendre par là. En coup de pied sauté. Yes. Alors, de toute façon, on arrive dans la pièce juste à côté de celle-là. Ici à droite, salle de sauvegarde, encore.
Bon, ici, le jeu n'est pas avare en salle de sauvegarde. Il faut se l'avouer. Mais bon, on rentre dans une nouvelle partie de la zone. Là, on est vraiment dans les cavernes pour de bon. On va passer à côté avant de descendre encore plus. Alors. Hop, on n'a pas encore utilisé un seul objet de soin de bouffe. Alors, ici, ce qu'on va faire, vous voyez, ici, ça va être dur de passer avec ces cons. Très sexuel. Du pole dance vampire, mesdames, messieurs. Alors, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va récupérer ce champignon, un shiitake. Qu'est-ce que ça fout là? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser ça. C'est cruel, vous allez voir, c'est horrible. On va pousser ça, et puis l'eau va se remplir. Ah, regardez les paniqués! Ils savent qu'ils sont foutus! Au revoir. C'est horrible. Alucard n'a aucune race. Alors, n'oublions pas qu'on est toujours très sensible à l'eau, donc on va éviter l'eau pour l'instant. On va trouver une relique qui va nous permettre d'aller dans l'eau sans avoir de dégâts. Mais là, bon, il y avait quand même de l'argent là. Voilà, alors. Bon, heureusement, on a le double saut, mais même sans ça, on s'en sort bien. Alors, ici. Bon, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Je crois que c'est au bout de cette zone qu'on a déjà une relique, mais qui n'a rien à voir avec le fait de pouvoir respirer sous l'eau. Je ne sais plus. Ça fait un bail. On va voir, on explore. En attendant, on tue des grenouilles à tour de bras. Oui, j'ai toujours trouvé ces ennemis un peu ridicules, mais bon. Mais bon. Oh là, oula, oula. Vous avez vu la vitesse à laquelle ma santé est partie? Rien qu'en mettant mon orteil dans l'eau. Alucard, espèce de sale fragile. Ah ouais, en face, on pourra pas non plus... En moins que... Yes! Double saut for the win! Ah, magnifique ça. Magnifique. Alors, vous voyez ce qu'on vient de voir là? C'est très, 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 très important. C'est très, très, très important ce qu'on peut voir là. Parce que, vous voyez, ce qu'on vient de voir, c'est que ces ennemis, en nous balançant leur tonneau, peuvent détruire ce genre de petit pont. Et ça, c'est très important pour avoir la vraie fin du jeu. Mais je vous montrerai en temps et en heure. Alors, ici, peut-être pas la peine de descendre par là. Ce qu'on va faire plutôt. On va rebrousser chemin. Ouais, on va rebrousser chemin. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Alors. Hop. Assez simple. Génocide de grenouilles. Ah, oh, les enfoirés. Oh, mais c'est pas vrai. Le pire, c'est qu'en fait, elles peuvent nous empoisonner. C'est ça la difficulté. Voilà, tu meurs. Ah, vous voyez, lui, il vient d'apparaître. Il n'était pas là avant. Bah, tout est étudié. Tout est étudié. Vous verrez. Et vous savez quoi? On va peut-être même le faire maintenant. Rien que pour récupérer la santé. Parce qu'il peut détruire ce pont. Mais ça va nous faire arriver à une autre zone encore. Mais c'est une zone où on n'a pas encore le level. Alors, comment ça se passe? C'est très simple. Une grosse astuce. Alors, il faut le faire avancer. Il faut essayer de le bait. Comme ça. Tout simplement. Et quand le pont est à la portée de son petit projectile à la noix, on le laisse balancer. Voilà. Et du coup, cœur up et santé up. Magnifique, c'est tout ce qu'on voulait. On va pas descendre tout de suite. Vous voyez, là, il y a une porte, nouvelle zone. Ça nous sert à rien pour l'instant, donc hors de question de se frotter à cette zone maintenant. Alors, on est presque... Là, on était revenu. Bon, tant pis pour l'argent cette fois. On va plutôt affronter un boss qui m'est très cher. Ce que je vous l'avais dit à l'épisode passé, on va affronter un boss qui sort tout droit du folklore sicilien. Bon, ça vient de la mythologie grecque, bien sûr, parce que les Grecs sont restés très longtemps en Sicile. Mais donc, on va affronter un boss qui sort quand même de la mythologie grecque et qui touche de plein fouet la Sicile. Alors, ce qu'on va faire, on va quand même sauvegarder vu qu'on a ouvert la voie et que j'ai pas envie de me retaper ça. On va descendre et je pense que le boss c'est vraiment pas loin. Je pense qu'on l'a vraiment en début de zone. Alors, ici, ne rien rater. Parce que vous voyez ici, on pourrait ne pas le savoir, mais en vrai, on peut faire ça. Et ça, c'est important parce que c'est vraiment la suite de la zone. Au revoir, mademoiselle. Ça, c'est Shiva dans les Final Fantasy.
Donc une femme de glace, les seins à l'air. Alors, si je ne m'abuse, c'est là qu'on va avoir droit à la première phase. Oui, en effet. Alors, première phase du boss. Parce qu'en fait, le boss nous fait un petit teaser, en fait. C'est ça qui est cool. Le rêve de tous les fans de hentai. Donc, c'est la tentacule de Scylla. Ou Scylla, peu importe comment vous le prononcez. Alors, Scylla, je suis sûr que certains d'entre vous le connaissent. Scylla était une nymphe dans la mythologie grecque. Scylla était une nymphe qui avait fait chier les mauvais dieux, je pense, et la déesse en question. La déesse en question, pour se venger, l'a transformée en monstre, donc elle est devenue un monstre hideux, avec des tentacules et trois têtes de loup. Trois têtes de loup qui font office de corps. Alors, on y est, hein. La tension. Vous ressentez cette tension? Vous ressentez ce stress-là? Hein? J'adore. Allez, c'est parti. Regardez-moi ce boss! Et heureusement qu'on a... Heureusement qu'on a... L'eau bénite! Parce que l'eau bénite, c'est trop bien. Bon, elle est déjà morte. Je suis désolé, Scylla. T'étais trop cool comme boss, mais... On est juste trop puissant. Quelqu'un a chronométré cette bataille, s'il vous plaît? C'était incroyable. Ah, magnifique. La cape de cristal. La cape de cristal, j'adore, parce que la cape de cristal... Alors déjà, plus de défense, plus de contre. Et regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté. Et vous savez ce qui se passe quand on la met devant nous? Invisibilité. Ça sert à rien, mais putain, c'est beau. Alors... Normalement, maintenant qu'on a battu Scylla, le niveau d'eau a dû baisser, parce que sinon on est dans la merde. Ok, le niveau d'eau a baissé. On va se diriger vers la droite. Et on trouve une cimetière. Une cimetière, je sais pas comment on dit en français. Mais ça nous sert à rien parce que c'est moins fort que le sabre. Cool! C'est juste au cas où on n'a pas acheté un sabre chez le libraire. Alors, voilà, une potion anti-glace qui pourrait nous être utile, hein, vu qu'il y a pas mal d'ennemis qui contrôlent la glace ici. Alors, on va continuer. On va descendre dans les méandres de cette map. Heureusement, on les one-shot. Voilà. Je ne sais plus... Ah, mais oui, il est pas là, lui. Ils nous font un truc. Alors du coup, où est-ce qu'on n'a pas encore visité? Oui, on va descendre. On va descendre de l'autre côté. On va descendre de l'autre côté et on va voir la relique qui va nous permettre de faire apparaître le battleur. Parce que oui, c'est une relique en fait. Il y a une relique qui nous permet de faire ça et le battleur va nous donner un sacré coup de main parce que avec son petit bateau, il va nous emmener de l'autre côté de la rive. Et c'est pas négligeable étant donné qu'on meurt toujours ici si on va sous l'eau. Alors, on va y aller au moonwalk histoire d'aller plus vite. Voilà, toi tu meurs. Voilà. Oui, et en plus, sous l'eau, c'est rempli d'objets sympas. Nouvelle sorte d'ennemi aussi avec beaucoup... Bah là, on vient d'en voir un plus ou moins. Et des poissons vampires, zombies, des trucs de fou les gens. Vous imaginez pas ce qu'il y a sous cette eau. Ah, je les déteste. Oh, tu vas te calmer. Waouh, 5 HP, t'es un vrai balèze. Alors, hop. Ah, je les déteste. Alors, on en est où? On en est... Ah, plus que 2 pièces et on y est. Ah, dès qu'on pourra le rattraper, le pentagramme, c'est aussi un objet de dingue. Je vous montrerai, c'est magnifique. Alors, bon, on va descendre ici. Ouais, on va descendre doucement. Ah, merde, j'ai raté le shiitake. Bon, c'est pas grave. Ah, au moins celui-là, je l'ai eu. Je pense pas qu'on pourra... Non, on va pas l'atteindre, malheureusement. On va d'abord aller là. Vous allez voir pourquoi. Vous allez voir la belle jointure qu'on va pouvoir se faire. Alors. Ah, vous voyez, là, on croit qu'on peut se poser, mais en fait, non. C'est de la glace toute fine. Tu meurs. Toi aussi.
Et ta pote aussi. Alors, cool. Alors, ici, on peut remonter. Je me souviens plus de ce qu'il y a ici, d'ailleurs. Ce serait pas ici qu'il y a genre une des reliques? Non. Par là, ça nous emmène... Ah bah voilà, justement. On va la faire maintenant, la jointure. Donc, en fait, via cette zone, on fait une jointure. Et on arrive vraiment à la toute première zone. Vous vous souvenez, hein, mesdames, messieurs? Regardez-moi ça! C'est ça que j'aime! Dark Souls n'a rien inventé au niveau des raccourcis. Et nous revoilà chez nos amis les tritons! Les merman! Hein? Bande de dégueulasses! Ah, par contre, ouais, on va reprendre la montre. Bon, ici, on n'avait plus vraiment des masses de choses à voir. Juste peut-être... non, on n'a toujours pas le power-up pour, malheureusement. Vous voyez, ici, on pourrait monter, hein, mais... Attendez. Vous voyez, comme ça, c'est des petites astuces, mais on peut toujours pas atteindre cette zone. Donc, ce qu'on va faire, bah, tout simplement, retourner en arrière. C'est cool, on a fait la jointure, on sait qu'un raccourci est possible ici. Et on va continuer dans les cavernes. Je pense qu'on va avoir la relique qui va nous permettre de faire apparaître le battleur. Ah bah il est là d'ailleurs. Regardez-moi ce beau gosse. Il s'appelle Igor. Il va nous emmener dans un endroit qui est intéressant. Alors là, si, ça va être du sport. Parce que si on tombe, on est mort. Et les espèces de chauve-souris, il faut aussi se baisser à certains moments, vous voyez bien, c'est l'enfer. Regardez-moi ça, ce système de poulies et tout ce qui va avec. Regardez-moi ça, le futur dans le château de Dracula, mesdames, messieurs. Allez, pose-nous. Voilà. Alors, je me demande si ça va être le truc du battleur ou si ça va être le truc pour respirer sous l'eau. Ah... Merman statue, je crois que c'est pour faire apparaître le battleur. Ouais, c'est pour faire apparaître le battleur de l'autre côté. Et de l'autre côté, il va nous amener là où on pourra avoir la relique pour respirer sous l'eau. Si je me souviens bien. Voilà. Row, row down your boat, gently down the stream. Heureusement que l'OST est bonne. C'est un passage un peu chiant. Voilà, on tue des chauves-souris pour passer le temps. Oh, de la tutune. C'est ça qu'on aime. Allez, merci, Jasper. Alors, maintenant, on doit aller... Ok, je vois où c'est. Alors, oh, je prends. Alors, je sais pas si au niveau de la... De la défense, ça augmente. Et en plus, ça nous... Ah, mais c'est méga rare, ça. Oh, on a vraiment du cul, là. Alors, non seulement ça augmente notre défense, mais en plus, ça nous protège de la glace. Et là, il y en a des ennemis de glace. Cool. Coup de chance. Pour une fois. Alors. Ah ouais, merde. Merde. Merde, merde, merde. Comment on fait ici? J'ai dit qu'on avait de la chance, mais là on vient d'en avoir deux d'affilée, c'est sérieux? Bon, plus d'HP. Ah merde, comment? On peut pas remonter ici, on doit refaire un petit détour. Ah ben merde, merde. Pas cool. Bah oui, on peut pas grimper comme ça. D'accord, ça me va. On va faire un détour. Ouais, putain, j'avais complètement oublié. C'est n'importe quoi. Du coup, la seule chose qu'on peut faire, c'est... Ben, remonter par la première zone, prendre un téléporteur, et... Je ne vois que ça, vu qu'il n'y a pas de téléporteur pour les cavernes, en fait. Ok, on ressort par là, on y va gaiement. Ça fait du bien de revoir un peu de vieilles zones. On pouvait déjà tuer les ennemis d'un coup, mais alors, ah, les zombies, quoi. Les zombies. Sérieusement, les gars. Qu'est-ce que vous voulez faire?
En plus, c'est même pas des bons zombies. Regardez, leurs bras, ils sont coincés. Qu'est-ce que... Regardez. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est même pas fun. C'est même pas fun de les tuer. Bon. On va arrêter d'être gentil avec eux, par contre. Alors. Ouais. Ok, on est sur le bon chemin. On va atteindre le téléporteur au plus vite. On va se téléporter dans... Ben... Le plus proche, c'est dans la tour. On va faire ça. On va faire ça. Alors. Ah, eux, il faut toujours deux coups pour les tuer, par contre. Alors, tout droit pour le téléporteur. Tout droit. Ouais, c'est bien ça. Ok, 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 ok. Ah oui, maintenant qu'on a le double saut aussi, on pourra explorer d'autres zones de la librairie. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, je me demande si on devrait peut-être pas faire ça d'abord. Non, on va d'abord faire à fond les cavernes. D'abord les cavernes à fond. Alors. Ok, on doit descendre. Et puis se retrouver à la Marble Gallery. Donc, heureusement, on a l'ascenseur magique des bourrins. J'ai dit des bourrins. J'adore le cri qu'il fait, le cri de terreur à chaque fois. Alors, ouais. Ah ouais, c'est vrai, il y avait un truc aussi que ça on avait eu. Mais là, on pouvait pas. Et maintenant, on peut. Et c'est une garnette. La garnette. Ah oui, ça se vend, c'est tout. D'accord, ouais, c'est bien par là. Et si je ne m'abuse, maintenant qu'on a la forme du loup, on va pouvoir faire un truc de ouf dans le long couloir. Si je ne m'abuse. Ouais, alors, on va essayer. Hein. On va essayer. On va essayer. Je pense qu'on peut le faire dès le début. La vitesse du loup. Non. Ok. Je me suis trompé. On n'a pas encore ce pouvoir. Attendez, je vais réessayer. Peut-être que ça prend plus de temps. Allez. Oh, mais comment tu réapparais, toi? Ah, on n'a pas encore ce pouvoir, c'est dommage. Non, on n'a pas encore le pouvoir. Tant pis, tant pis. Alors, normalement, on va le débloquer, mais le loup peut aller à des vitesses mirabolantes. Et genre, pour passer ce genre d'endroit, c'est juste magique. On y arrivera, on y arrivera. De l'argent. Eh, au niveau de l'argent, on se place comment, d'ailleurs? On a pas mal d'argent, on a pas mal d'argent. On peut peut-être s'acheter l'épée de Damas. Ça serait cool au niveau des dégâts, augmenter légèrement nos dégâts. Faut prendre tout ce qu'on peut. Ok. Aussi, ça va vite. Hop. Voilà, bon, j'ai hâte de vous montrer de nouveaux ennemis un peu plus coriaces, hein, parce que là, voilà, ça devient un peu facile. Pour les cavernes, c'est pas là, c'est à côté. Merde. Hop, alors. Ouais, il faut passer dans la pièce d'à côté. Voilà, on y est, enfin. Alors. Ah, c'est les backtracking, c'est magique les backtracking, c'est magique. Alors, on doit prendre quoi comme trajet, nous? D'ailleurs, on irait bien juste vite sauvegarder, histoire de remplir notre jauge de vie, vu qu'on a eu pas mal d'upgrade de vie. Bientôt à 200 déjà. Ça file, ça file. Alors... Hop, nous on doit continuer tout en bas. Il y a une pièce à droite qu'on n'a pas visitée. Ah mais non, c'est celle qui est juste avant. Bah non, qu'est-ce que je raconte? Il y a une pièce à droite que j'ai pas visitée. Ah ouais, non. Ouais, ouais, c'est normal. Ah si seulement on avait la forme de la chauve-souris. Pas encore, pas encore. Ok, on va y arriver, on va y arriver. Heureusement que Alucard ne subit aucun dégât de chute. Parce que ça serait vraiment la merde. Alors, on va descendre. Voilà. Cool. Alors, ensuite. Voilà, il est là. Et il nous redit la même chose.
Oui, je vais t'aider à rencontrer ton destin. Oh, il va nous amener à un rendez-vous galant avec Maria, j'espère. Ah là, il faut se baisser parce que sinon, on se ramasse. Oh merde, merde. Oh, peut-être au retour. De toute façon, après, je pense que là, on va avoir le truc pour respirer sous l'eau. Donc, on va pouvoir récupérer plein de goodies, plein d'objets. Allez, dépêchez-vous. Oh, c'est long. Voilà, on y est. Alléluia. Alors, est-ce que c'est bien là qu'on va l'avoir? Je pense que oui. Oui, le tuba qui s'appelle le symbole béni, même si c'est pas ce qu'Alucard pense que c'est. Donc en gros, relique, symbole béni, où est-ce que t'es? Symbole béni. Protection quand on est sous l'eau. Magnifique. Et du coup, vous voyez bien que maintenant, on perd plus de nos HP sous l'eau. C'est magique, c'est magnifique, c'est fantastique. C'est tout ce qu'on aime. Alors, ici d'ailleurs, un élixir. Magnifique déjà, ça commence bien. L'élixir qui nous ramène tous nos HP et toutes nos vies. Hein. Et ça, c'est intéressant. Alors, vous êtes mort. Faut pas que je rate l'endroit où il y avait les objets intéressants. Hein. Alors, ici, dans les fonds, il y a encore des trucs. Nine. Ok, rien. Sous l'océan. Il y a des vampires qui te sourissent sous l'océan. Ah, l'onyx. L'onyx, ça fait quelque chose. Toujours pas. C'est pas grave, on aura plein de trucs à vendre quand on sera de retour à la librairie. D'ailleurs, ça va être notre prochaine destination. Alors. Ah, ici par contre, il va y avoir des trucs. Déjà ça. C'est magnifique. Quoi d'autre? Ah, ici on descend encore plus. Ah, cool. Ah, bordel. Ça fait descendre notre attaque, ça sert à rien. Mais dommage, c'est une arme qui est quand même sympa. Vous savez quoi? Tant pis pour le bouclier, on va le mettre à la main gauche. Et c'est juste pour rendre nos coups de poing assez forts. Vous avez vu la vitesse aussi, hein. Ça ne se refuse pas. Une arme bien sympa. Alors, on est déjà arrivé au bout. Ah bah d'accord. Ok, on explorait tout ici, si je ne m'abuse. Vous savez ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est que on pourra aller plus vite. On va pas se casser la tête. J'ai sûrement pas envie de me taper un aller-retour. On va utiliser la carte de la librairie. On va se téléporter. Ah, raté. Et on se retrouve directement devant la librairie. Magie! Alors, Knuckle Duster. Cool. Alors, toujours ici. Alors, voyons voir ce qu'on peut se payer. Salut bonhomme! Plein de choses. Alors, déjà, on va vendre tout ça. Ok. Le pauvre, il a pas le temps. Voilà, on a plein de tutunes. Plein d'argent. Alors, on va aller vers là. Alors, ah là là, cette bague elle est bien, je l'achèterai bien, mais d'abord, la cuirasse, le cerclet, l'épée de Damas, qui en fait nous sert à rien maintenant, c'est 25, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va acheter... On va acheter ça, la protection en diamant. Parce que bon, de 16 on passe à 23. C'est énorme. Alors, est-ce que je peux encore m'acheter des trucs? Oui, on peut encore s'acheter des trucs. Ça met plus 1 à quasiment toutes nos stats. C'est magnifique. Bon, je crois que c'est à peu près tout. On va s'équiper direct. Diamond plate, yes. Et puis ici, Ring of Pales. Magnifique.
Là, on est paré. Alors, du coup, on va finir d'explorer. J'aimerais bien vous montrer encore un boss avant de terminer l'épisode. Je pense qu'on aura le temps. Alors, ici, on était à l'étage inférieur. Donc, on va commencer par ici. Ah, et maintenant, on les tue en un coup, eux. Ça fait du bien. Alors, ici. Toi, tu meurs. Ok, alors, cool. On passe... Ah, salle de sauvegarde ici. Magnifique. Je sais plus si c'est ici ou si c'est de l'autre côté. Le boss. Il y avait un tout petit boss. Ah ouais, je me souviens ici. On va arrêter le temps. Oh, ce massacre. Oui, cette pièce est un peu chiante sans la montre. Je vous l'avoue. Je vous l'avoue. Et au passage, on fera la même chose. Ah ouais, ici, ça s'ouvre encore plus amplement. Hein. Mais je crois que justement le boss... Ah, vous me faites trop chier, vous. Vous me faites trop chier. Ah ! Le temps est arrêté. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Oh, ouf, 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 ouf. Ah, zut, zut. Hein, quoique... descends ici qu'on rigole. Ah ! Ah ! Allez, y a moyen. Yes! Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, il a explosé, c'est pas grave. Ah, quand ils sont en armure, ils sont chiants parce qu'il faut les toucher deux fois d'affilée. Donc, alors, on va passer ici à côté. Ah! Alors, ici à côté, qu'est-ce qu'on a? Un masque de pierre. Le masque de pierre! Sonochi no sadame. Ah, ça augmente quand même notre intelligence sans faire baisser notre défense. On prend. Ici, petit secret. Voilà, faut le savoir, hein, faut le savoir. Topaz et Holy Rod. Le Holy Rod. Oh, le Holy Rod 29, c'est magnifique. Et le top. Et là. Ouais, non, ça vaut pas le coup. Bon, vous êtes... regardez-moi cette vitesse. C'est un truc de fou, hein. Ah, j'ai arrêté le temps sans faire exprès. Phrase qu'on ne peut pas dire tous les jours. Alors, nouvelle arme, et en plus de cale l'élément au lit, hein. Et ça, ça fait vraiment mal à tous les ennemis en général dans ce château. Vous vous doutez bien que les créatures de ce château n'aiment pas trop tout ce qui est sain. Et ça y est, hein, les pervers, je vous vois arriver. Alors. Hop. On descend. Oh, magnifique. Ah, oh, c'est ralenti sur les level up. On n'en demande pas autant. Alors, hein, il est ici le boss. Il est ici le boss. Regardez-moi ce gros loser. Regardez-moi ce loser qui a besoin de... d'appeler des monstres pour le combattre. Pour l'aider. Alors, le Mudman, c'est important de le tuer. Parce qu'il n'y a que là qu'on ne le rencontre, le Mudman. Et si on ne le tue pas ici... on l'aura pas dans la liste des ennemis. Bon alors, tu vas mourir, hein, toi. Allez, Mudman aussi, tu meurs. Ah, il est chiant, en fait. En fait, quand il invoque des monstres, on peut pas le toucher. Mais il va bientôt mourir. Allez, salut. Tu vas où? Mais non, reviens. C'est fini. Bon, voilà, boss plutôt pour rien. C'est pas pour rien qu'il s'appelait le Lesser Demon, donc le démon inférieur. Ici, qu'est-ce qu'on avait ici? Alors ici, rien. Bon, je me souviens pas de tous les murs cachés du jeu, donc... Alors, Takemitsu, Onyx encore, et un Frankfurter. Ah, on n'a pas encore le pouvoir pour pouvoir passer à côté. Je crois que ça, c'est au Colisée que ça va se passer. Ok, bon, bah c'était quand même une bonne chose de tuer ce boss. Histoire de vous montrer un petit boss sympa. Ça nous en fera deux pour cet épisode quand même. C'est pas mal, c'est un bon quota. Alors, oh puis merde, on va quand même finir d'explorer. Là, je suis en total kiff. J'ai pas envie de m'arrêter de jouer là. Donc, on va finir d'explorer comme il faut. Oh, mais l'enflure. Oh, mais l'enflure. Voilà, on va finir d'explorer. Oh non. Oh que non. Voilà.
Ouf. Je déteste cette pièce. Bon. Les HP. On maximise tout ça. Voilà. Alors. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore visité ici? Ouais, il y a encore tout un étage supérieur à la librairie. Et je pense qu'il y a moyen d'avoir des armes. Encore de nouvelles armes, entre autres. Alors ici, pour grimper... Ah! Je dois me servir du bouquin. Yes! On y est arrivé. Magnifique. Alors... Mais oui, magnifique. Alors, antipoison, une potion. Ah oui, j'adore, là, déjà. Ah, j'avais oublié que c'était aussitôt. Ah, je vais vous montrer ce que c'est. Hein. Les familiers, Alucard a des familiers et nous, on vient d'avoir la fée. Et la fée, c'est juste le meilleur familier du jeu. On va tout de suite l'activer. Alors, regardez-moi ça. Maintenant, on a une fée qui nous accompagne. Your word is my command. Oui, et la fée nous soigne. Quand on meurt, elle peut nous ramener à la vie une fois. Elle fait aussi des fois des attaques. Et alors, truc trop mignon, quand on reste assez longtemps sans bouger, elle va venir s'asseoir sur nos épaules. Si je me souviens bien. Allez, viens, petite fée. Viens, petite fée Lynn. Non? Allez. Non? Ah, peut-être que c'est quand elle aura plus de level. Parce que oui, plus on bat des ennemis... Ah, ben voilà! C'est trop mignon, non? C'est trop mignon! Et alors qu'on bouge... Oh, désolé. Voilà, magnifique. Je savais même pas que c'était déjà qu'on pouvait déjà l'avoir maintenant, le familier de la fée. C'est excellent, je suis trop content. Alors, ici, on a pu explorer. Ah, les pauvres. Ah, les pauvres, ils se font vraiment exploser. Ici, il n'y avait rien à explorer au-dessus, on avait tout exploré. Ok, il faudra juste revenir alors une fois... juste revenir une fois pour prendre ce qui se cache derrière la grille. Ok, alors, prochaine zone, j'ai des doutes. J'ai des doutes sur la prochaine zone. Qu'on pourra explorer. Mais en soi, maintenant, on a pas mal de possibilités de déplacement. Donc, on va bien voir. On va bien voir où je vous emmène lors du prochain épisode. Alors. Ouais. On va aller sauvegarder de ce côté-là. Ouais, c'est encore le plus proche. Bah oui, suis-je bête. Suis-je bête. Prochain épisode, on va aller... Mais oui, on va aller à la tour de l'horloge au prochain épisode. Bien sûr, bien sûr. Maintenant qu'on a le double saut, c'est la zone rêvée. Ok, alors. La sauvegarde, tout en haut, si je ne m'abuse. Ouais. L'ascenseur. Non, c'est pas encore là, l'ascenseur. Faut encore grimper par là. Yes. Ah oui, et aussi, je me souviens, il y avait un objet qu'on pouvait pas attraper... Là où il y avait l'ascenseur, on va aller le choper quand même. On va pas le laisser là. Alors. Oh putain. Je sais pas comment j'ai fait mon coup, mais j'ai réussi. Ah, c'est tellement bon cette arme. C'est tellement une bonne arme. Mon dieu. Alors. Ouais, c'était juste ici, je me souviens. Et il nous fallait un double saut. Ah ouais, quand même. On a bien fait de faire le détour. Alors. Hop, on va grimper. Alors, prochaine étape, ça sera passer cette porte. Ça sera pour la tour de l'horloge. L'horloge, je vais y arriver. Alors, petite sauvegarde. Et voilà, ça sera tout pour cet épisode. Merci, mesdames, messieurs, de m'avoir suivi dans cet épisode riche en combat de boss, en backtracking, en cap invisible, en sauvegarde EG, en petite fée Lynn. Je vous fais un gros bisou vampirique et je vous dis au prochain épisode. Mouah.